on a du chemin. Est-ce qu'on va passer par Ténébrae? On va d'abord s'arrêter à la gare de Cartanica. Oh. T'es sûr que ça va aller? La douleur s'est apaisée. Et la vue reviendra bien. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Hein? Oublie l'escale à Ténébrae. Il serait peut-être temps de te ressaisir, tu crois pas? Je sais ce que je fais. Je suis bien monté dans ce train, non? Tu crois que t'as pas de chance? Regarde autour de toi et tu verras que t'es pas le seul à avoir souffert. Lâche-moi. Et l'anneau, t'en fais quoi? Tu vas le laisser longtemps dans ta poche? Elle a donné sa vie pour te la porter. Et c'est pas en le regardant que tu vas utiliser son pouvoir! Parce que tu crois que c'est pas ça? On se le demande! Ignis a même perdu la vue. Suffit, Gladio! T'es trop irresponsable pour prétendre devenir roi un jour. Vas-y, répète ça! Non mais arrêtez! Je sais très bien où j'en suis. Je suis pas fou! Alors essaie de le prouver! Arrête de faire le con! Noct, attends! Laisse-le! On arrive à Cartanica. On va bientôt descendre. À Cartanica, il faudra marcher. On ne pourra pas prendre la Regalia. Du moins pour l'instant. Il vaut mieux la laisser dans le train. J'ai bien vu que tu la regardais. Mais je regarde personne, moi. J'ai faim. Tu veux quelque chose? Ouais, j'ai un petit creux. Encore loin. Pourquoi le train stoppe à Cartanica? Bah,
Ils ont sans doute un truc à réparer. Tu sais, la voiture dont on encore loin. On arrive bientôt. Il paraît qu'elle est à bord du train. C'est encore loin. On arrive bientôt. Je vous laisse. Je vais voir le paysage. On devrait en tirer quelques guilles. C'est toi, Nocte ? C'est toi, Nocte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment, pour descendre dans la mine, faut prendre l'ascenseur. Je me demande si le tombeau est tout au fond. Y a pas grand-chose à faire par ici. Ah. C'est bon, tu es prêt à y aller? J'arriverai à me débrouiller. Thank you.
À votre avis, c'est pas trop risqué là-bas? On ne sait pas ce que nous réserve la faune locale. Si on doit l'affronter, restons sur nos gardes. Par où il faut passer? Par où il faut passer? Par où il faut passer? Ignis, fais gaffe. C'est casse-gueule. Merci. Je vais essayer. Prends tout ton temps, on n'est pas pressé. Votre Majesté, ce serait trop demander de ralentir. Et toi, ce serait trop te demander de la fermer. Et voilà, c'est réglé. J'ai pas réussi à faire grand-chose. Moins tu prends de risques, mieux je me porte. Ignis, ça va aller? Eh ben, il faut pas avoir peur de glisser. Eh ben, il faut pas avoir peur de glisser. Waouh, c'est vraiment gigantesque. Alors, le tombeau serait là-dessous. Ignis, vas-y doucement. Merci. C'est quoi ce truc-là? Hein? Tu crois qu'on peut passer? Oh, c'est pas vrai. Impossible de passer. On fait quoi, là? Cette machine bloque complètement le passage. On doit pouvoir la déplacer. C'est fort probable. Il suffirait de trouver les commandes. Mmh.
par où il faut passer. Par où il faut passer. Par où il faut passer. Eh ben, il faut pas avoir peur de glisser. Ignis, ça va aller ? Psst, quelle merde, ça s'est arrêté ! Pourquoi ? Alors, quand c'est comme ça, faut allumer les générateurs auxiliaires et parer que la clé est dans une cabane. Par où il faut passer. Par où il faut passer. Ignis, ça va aller ? Ignis, ça va aller ? Ça ferait une super destination de vacances ici. Je te rappelle qu'on n'est pas là pour s'amuser. Pourquoi tu cours ? On va en faire qu'une bouchée. Dépêche-toi, je préfère éviter les ennuis. C'est bon, je sais. Noct, va pas si vite. Ça, c'est dans mes cordes. Admirez la perte. C'est pas vrai. Tu es libre avec tes missions en solo. Dans ce cas, je te laisse. Mais si je peux. Ah.
crois que c'est ça. Tu l'as trouvé? Ouais, c'est ça. C'est la clé. Et les générateurs? C'était écrit qu'ils sont près du tableau de contrôle. Bon, allons voir ça. Pas à m'habituer. Tu fais ce que tu peux. Ouais. Si on s'en occupe pas, tranquille deux minutes. Il ne sera jamais tranquille. Quand faut y aller, faut y aller. Ça a marché. Ouais, et maintenant le deuxième. Et voilà, c'est fait. Il faut vite déplacer cette machine. Si un générateur lâche, on est foutu. Ça va, je sais. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et voilà, c'est réglé. J'ai pas réussi à faire grand-chose. Moins tu prends de risques, mieux je me porte. Par où il faut passer? Ignis, ça va aller?
Ignis, ça va aller ? Par où il faut passer ? Noct. Tu veux entrer dans le tombeau ? T'es sûr que t'es prêt pour ça ? Tu te fous de moi ? Tu vas communier avec ton ancêtre, dans cet état d'esprit. D'ailleurs, dis-moi, honnêtement, t'es prêt à aller jusqu'au bout ? Mets-toi à ma place. J'ai perdu des proches, et je pourrais très bien être le prochain à y rester. Qu'est-ce que tu crois ? C'est bon, laisse tomber. Je m'en doutais. J'aurais même pas dû te poser la question. Par où il faut passer ? Dépêche-toi, je préfère éviter les ennuis. C'est bon, je sais. Noct ! Va pas si vite ! Come on.
On devrait en tirer quelques guilles. En faire qu'une bouchée. Ben, il faut pas avoir peur de glisser. Ignis, ça va aller? Pourquoi tu cours? Qu'on était derrière. Yeah.
Oh, pas si vite, mon bon roi. Y aller tout seul ou quoi? Le tombeau a l'air encore loin. Tu veux rester là? Quoi? Tu veux le laisser tout seul? J'ai jamais dit ça. Pars pas tout seul devant. Dis donc, y a pas une drôle d'odeur? Ignace, fais attention à pas glisser. Lui acheter une laisse, ouais. Waouh, c'est vraiment gigantesque. Alors, le tombeau sera là-dessous. Ignace, vas-y doucement. Merci. C'est quoi ces trucs-là? On dirait des œufs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose caché derrière. Mais merde! C'est quoi ça? C'est une bouche? Qu'est-ce qui vient d'apparaître? Je sais pas, mais ça craque! Putain, mais il commence à être lourd avec ça! Ça va jouer! Ça pue! Ah!
Allez. Ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait rien, j'ai aucune idée. Qui passe? Il doit bien y avoir un moyen. Noct, j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose. Ça a marché? Je dirais que ça l'a calmé. Oh, là, on nettoiera jamais tout ça à la main. Le mieux, c'est de les brûler. Si tu veux tous les dégager, le plus rapide, c'est une belle flambée. Wouh ! Y a une porte ! Non mais quelle idée de construire un tombeau dans cet endroit ! Un instant. Ça va pas? On peut dire ça, ouais. J'en ai assez de vous entendre vous disputer à tout bout de champ. Ne nous voilons pas la face. C'est vrai, j'y vois plus rien. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Cela étant dit, je veux pas que vous vous en fassiez pour moi. Je veux continuer ce voyage avec vous. Je suis désolé, mais moi ça me plaît pas. Je vous l'ai dit plein de fois, au milieu d'un combat, ça peut nous coûter la vie. Mais nous, on est là, et on l'aidera. C'est pas une question de pouvoir l'aider ou pas. Dans ce cas-là, il a bien le droit de choisir, non? T'es bouché ou quoi? Je te parle pas seulement de ce qu'il veut. Je le sais, tout ça. Je vous demande pas de faire attention à moi. Si je deviens un poids, je me ferai une raison et j'abandonnerai. Sa Majesté, elle en pense quoi? Noct, quand on est roi,
On doit être capable d'avancer dans l'adversité. Et quels que soient les sacrifices, on doit continuer d'aller de l'avant sans s'arrêter. Gladio, Nocte est conscient de son devoir. Il a juste besoin d'un peu de temps. Ça va, c'est bon. N'empêche, ça change rien au fait que c'est dangereux. Alors faites attention. Allez, c'est reparti pour un petit voyage en train. Avec escale à Ténébrae, du coup. J'ai hâte d'être à Ténébrae, la jolie ville de Dame Luna Freya. Dis-nous quand t'es prêt. On t'attend. Souhaitez-vous repartir maintenant ? Ouais. Allons-y. Alors, veuillez vous installer dans le train. Nous partirons dans quelques instants. On t'aidera, t'inquiète pas. Bien dit. On va pas se prendre la tête, pas vrai? Ah, on va partir. T'as pigé, tête de lard. Ouais, compris. Fais gaffe à pas tomber. Tu le prends pour un boulet ou quoi? Je veux pas le perdre en route, c'est tout. On fera attention. Thank you.